Andrea, avec tout ce vent, je crois qu'on va finir par s'envoler. Heureusement qu'on a beaucoup mangé. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué, la base de la gastronomie portugaise, c'est de l'huile et de l'ail. À partir de là, vous faites tout ce que vous voulez. Et alors, comment on dit l'huile et l'ail? Azeite. Azeite. Alho. Alio. Et ben voilà, très simple. Avec une bonne bouteille. Exactement. Ben oui, ça fait un moment maintenant que vous les voyez, ces vignobles eh bien, de la région du Douro, fameuse bien entendu pour le vin de Porto. Eh bien, on est allé visiter la Quinta de Roeda, puisque c'est un domaine avec quand même 106 hectares, avec plus de 300 000 vignes et 60 000 bouteilles vendues par année. Quinta de Roeda. La marque, ça s'appelle Crofts. Pourquoi une marque anglaise? Ben, comme Town, par exemple. Parce que ça fait partie de l'histoire du Portugal, Alexandre. Alors, il y avait bien sûr les Espagnols d'un côté, les Français qui étaient alliés, et de l'autre, les Portugais qui se sont alliés aux Anglais. En contrepartie, ils leur ont offert des terres. Et bien, c'est ça, les terres anglaises, 62% de terres sont encore anglaises. Et ça a fait des petits Portugais. Ben voilà, santé. Et voilà, même avec le vin, on fait de l'histoire, regardez. Bonjour. Alors, où sommes-nous ici? Nous sommes au cœur de la région du Douro, à Pinhão, et plus précisément dans la vignoble Quinta de Roeda qui appartient à Crofts. Crofts, comme compagnie, elle existe depuis 1588. C'est quoi la particularité de cette région, de la vallée du Douro? C'est un terroir avec du climat méditerranéen, c'est-à-dire oui, des étés très très chauds, des hivers assez froides, mais surtout où il pleut très très peu. Ouais. Donc, les cépages qui existent dans le Douro depuis des siècles, ouais, se sont adaptés à ces conditions très difficiles et qui donnent des grappes très sucrées, oui, très concentrées en couleur aussi, et parce qu'elles ont dû développer une peau assez épaisse, oui, pour se protéger contre la perte d'eau par évaporation, parce qu'elles ne sont pas irriguées, elles doivent survivre avec le peu d'eau que tombe sur, oui, le ciel aujourd'hui. C'est une journée super parce qu'on a un peu de pluie. Oui, parce que les vendanges sont faites, donc c'est bon, il peut pleuvoir, il n'y a pas de souci. Il peut pleuvoir, pas de souci. Et alors la vallée du Douro, c'est vraiment que du vin, parce qu'on voit énormément de vignes. Cette région, elle vit de ça essentiellement. Tout à fait. Et c'est l'économie de cette région, c'est la toute liée à la production de vin de Porto, et depuis longtemps. La particularité de ce domaine Roeda, ici dans la vallée du Douro, et ben c'est qu'il y a des vignes très très anciennes, notamment ici, ce sont des vieilles vignes, elles ont quel âge? Elles sont plantées à la fin du 19e siècle. Donc c'est quasiment les vignes les plus vieilles d'Europe en fait, oui, si on oui, peut dire. On peut dire tout, mais tout à fait. Et alors ça donne quel vin? Ça donne un vin très spécial qu'on appelle Sericus, Crofts Sericus. On ne le produit pas tous les années, oui, seulement les années très spéciales. C'est un vintage port, oui, un vin de Porto vintage, c'est-à-dire que vieillit en bouteille. Et puisqu'on parle de vieilles vignes, c'est vrai que vous me parliez qu'il y avait de la production d'huile d'olive aussi, et notamment bah, ici, on peut s'approcher de cet olivier qui est très ancien aussi. Les oliviers, vous voyez des oliviers un peu partout dans oui, la région. Oui, effectivement, qui entourent toutes les vignes. Et normalement, les oliviers étaient aussi utilisés pour border la propriété, comme on voit ici le mur, pour avoir les plantations. Mais les oliviers étaient utilisés beaucoup pour border et pour produire de l'huile d'olive pour consommation locale. On a vu les vignes anciennes, mais là, on a les vignes plus modernes. Plus modernes, ouais, mais vraiment plus modernes, avec les techniques plus durables en termes de viticulture et plus modernes en termes de tout ce qui est une utilisation du sol. N'oubliez pas qu'ici, notre énorme problème dans le Douro, c'est manque d'eau, oui, et on n'irrigue pas. Donc, il faut avoir une convivialité avec les herbes et la vigne. Vous allez m'amener dans la cave et on va déguster ce vin? Tout à fait. Alors, c'est parti. Ici, on est chez les chais de vinification de vin de Porto. Mais chez les chais de vinification traditionnels, c'est-à-dire les lagares. Ces grandes bassines en granit, ouais, sont où on vinifie les grappes de Roeda pour la production des vins de Roeda qui appartiennent à la maison Crofts. Et alors on fait comment? On fait donc pendant la journée,
on récolte, fait la récolte, oui. Et on met les grappes dans les lagarets. Après, à la fin de la journée, on va commencer à fouler au pied. Donc les gens, viennent dedans, ouais. Et ils vont commencer à faire vraiment ce que je suis en train de faire. Pour faire quoi? Pour écraser la peau, oui. Et à permettre que le sucre qui est dedans de la grappe entre en contact avec la peau, l'extérieur de la peau, où est les levures, oui. Qui vont commencer à faire la fermentation. Et mais alors, on fait ça pendant combien de temps, cet exercice au pied? 4 heures. Heures. Il faut des bons mollets alors. Oui, très très bon. Et c'est un exercice qu'on fait de très bien au pied parce que ce vin est plein de tanins. Mais alors il faut beaucoup d'employés. Il y a combien d'employés ici? Ici, pendant la vendange, ça prend autour de 4-5 semaines. Et on a besoin de 65 personnes pour ces 5 semaines pour faire la récolte et le foulage au pied. Tout à fait. Alors Anna, ça y est, maintenant on est à la phase finale, c'est-à-dire la dégustation, les bouteilles. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Je vois celui-ci, je crois que c'est le traditionnel vin de Porto. Oui. Qu'on va déguster. Oui, oui. Très bien. Celui-ci, c'est le Tawny. C'est vraiment le vin de Porto plus traditionnel. C'est le vin de Porto que vieillissent un petit foudre, petit barrique, ouais. Si on peut dire. Et donc, il va... C'est celui qu'on connaît, en fait, nous. Oui. Qui ne connaissons pas la région du Douro, c'est oui, le Porto Taoni. Traditionnel. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, santé. Santé. Et merci, Anna. Merci à vous. Il y a tout cet vieillissement dans le bois, dans le chêne, ouais. Qui va donner cette note de miel, caramel, oui. De fruits secs. Très licoreux comme ça tout aussi. À fait. Mm. Et aussi, à cause de cette région magnifique, le vin... va gagner une fraîcheur admirable. Donc, ouais. l'attaque, c'est doux à cause de la douceur de la grappe. Ouais. Mais après, le fin de bouche, le final, c'est assez sec et fraîche à cause de l'acidité naturelle de ce vin et de cette région. La région du Douro, c'est une région de montagne, donc ouais. Avec beaucoup de microclimat. Et donc, dans la partie plus haute des montagnes du Douro, on plante les cépages blanches et donc on produit du vin de Porto blanc. Vraiment. Bon, alors Anna, vous m'avez dit que vous aviez une petite surprise pour moi. Qu'est-ce que c'est? Peut-être une grande surprise. Une grande surprise. Allons voir. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un cocktail? Tout à fait, c'est un cocktail. C'est le Porto rosé qu'on vient de voir, le Croft rosé. Déjà avec de l'eau tonique, une touche de menthe, ouais. Et une touche de limon, mais déjà en canette, ready to go, prêt à boire. Bon, bah alors santé. Santé. Merci Anna. À vous.